بيانفينيدوس مرحبا بكم بيانفينو اليوم باش نحكيو على الشباب و 8 مارس يعني على رؤية الشباب على عيد المرأة وأيضا على وضعية النساء في تونس بصفة عامة ولكن قبل هدايا وقبل ما نقدم لكم كلمة السيدة فيثيليا فرنانديز شوثور مديرة معهد سيرفانتس بتونس نقدم لكم ضيوفنا مريم مرحبا بك أسامة مرحبا بك إذا كتبت لنا رسالة السيدة فيثيليا فرنانديز شوثور اللي باش نفتحوا بها اللقاء نتاعنا اليوم تقول فيها باش نقراها لكم باللغة الفرنسوية من الأول ثم باش نعطيكم رؤوس الأقلام بلغتنا التونسية La dictature du général Franco a signifié une terrible marche arrière vis-à-vis des droits qu'avait acquis la femme en Espagne sous la République en 1931, à commencer d'ailleurs par le droit de vote. Avec la dictature, la femme redevient mineure, uniquement mère, femme au foyer, sans opinion, voire même sans culture ou éducation. Plus le droit d'avoir un contrat de travail, d'ouvrir un compte bancaire, de solliciter les documents d'identité de ses enfants, sans passer par le mari ou le tuteur. Je retiens particulièrement, continue Madame Cecilia Fernandez-Schuthor, que ce n'est qu'après la mort de Franco et après que soit votée la Constitution de 1978 que la situation, petit à petit, va permettre à la femme de récupérer ses droits en égalité avec l'homme. Je pense que la plupart des Espagnols ne savent pas que bien avant, en 1956, la Tunisie, à travers le Code du statut personnel, devançait de beaucoup l'Espagne dans cette matière. Mais la discrimination s'arrête-t-elle là, que ce soit en Espagne, en Tunisie ou ailleurs? Certainement pas. Les femmes mènent toujours le combat pour en finir avec les formes d'inégalité qui persistent. Et il faut dire que ces inégalités sont bien ancrées dans la culture méditerranéenne à laquelle appartiennent l'Espagne et la Tunisie. Voilà donc le sujet auquel nous allons nous confronter aujourd'hui et autour duquel nous allons discuter avec nos invités Mariam et Rada. Et je voudrais, avant d'entrer dans la discussion, vous dire que l'Institut Cervantes de Tunis est heureux que l'idée de parler de l'affranchissement de la femme, le vrai, vu par la jeunesse, ait été si bien accueillie par la station d'art B7L9, au point de participer à part entière, ou, permettez-moi de le dire pour Cecilia Fernandez-Schuthor, plus qu'à part entière, à l'organisation de ces deux débats. Le premier débat sera animé par mes soins, et le second sera animé par ceux de Natalia Roman. Merci à nos invités d'avoir accepté de participer et merci à l'ambassade d'Espagne en Tunisie de donner son chapeau à cette manifestation. في كلمة وبإيجاز الكلام اللي تقول هو السيدة سيسيليا فرنانديز شوثور هو اللي في وقت الديكتاتورية بتاع فرانكو في إسبانيا المرأة فقدت حقوقها الكل اللي تحصلت عليهم في عام 1931 وبقات الحالة نفسها حتى 1978 ونهاية الديكتاتورية بعد وفاة فرانكو والدستور الجديد بتاع 1978 وقتها المرأة تحصلت على حقوقها من أول جديد ونلاحظوا اللي يمكن الإسبان ما يعرفوش اللي في حين ذاك منذ عام 1956 كانت تونس متقدمة على إسبانيا في الميدان هذايا على خاطر مجلة الأحوال الشخصية اللي ترجع على عام 1956 بالطبيعة السؤال المطروح هو هل التمييز بتاع المرأة مازال موجود في يومنا هذايا هل حقوق المرأة كاملين ما بين يديها الشيء هذايا تناقشوا فيه ولكن نلاحظوا اللي المجتمع المتوسطي والثقافة المتوسطية اللي ينتميوها في إسبانيا وأيضا تونس دائما تخلي أكثر حقوق ثقافيا للرجل والنقطة هذه نناقشوا فيها وتكمل الكلمة متاعها السيدة سيسيليا فرنانديز شوثور بكلمة شكر للمحطة الفنية بستلنف اللي احنا موجودين فيها وتذكرنا اللي النقاش هذايا باش تديروا ناتاليا رومان وباش نكون شخصيا ايضا موجود معاكم باش نطرح النقاش هذايا هات الان نبدا بسؤال اول السؤال الاول هذايا هو فيما يخص 8 مارس 8 مارس شنو يحيلكم مريم اولا نحب نحيي كل امراه
نحب نحيي كل امرأة تخدم، كل أم، كل طالبة قاعدة تقرأ وتحب تحسن مراديتها وتحب تخلي بصمتها في الدنيا. 8 مارس هو نهار يفكرنا قديش تقدمنا، قديش نسي قدمنا، قديش مزيد زيدة عنا حاجات لازمنا نثبتوهم، ولازمنا زيدة حقوق لازمنا ياخذوهم، حقوق متاعنا. صحيح احنا اليوم نجمو نصوتو، صحيح نجمو نقراو، صحيح نجمو نكونوا وزراء ورؤساء، أو زيدة فما برشا نقائص لازمنا نخدمو عليهم ونخدمو. يعطيك الصحة مريم. بالنسبة ليك أسامة، وقت اللي يقولوا 8 مارس، هل يحيلك التاريخ هذايا بشيء معين؟ هذايا نحتفل به باللي وصلنا له من تصليحات الحال المرأة في العالم، وهذا ما يمنعش زادا اللي احنا لازمنا نكملوا في الحاجات اللي عملناهم وما نقفوش، ما نقفوش، ديما نصلحوا، ديما نحبوا نصلحوا ونوصلوا للبرفكسيون كما نقولوا. مريم، بالنسبة ليك أنت المرأة التونسية، شنو درجة الحرية اللي وصلت لها اليوم؟ هل ترى الشيء هذا مناسب ولا نجم نزيدوا كما كان يقول أسامة نقدموا إلى الأمام؟ المرأة التونسية هي مرأة متفردة، في رغم اللي هي عربية اللي زيدا عندها عدد من الحقوق وعندها حرية أكثر من سيد عربيات الأخرين، مقارنة مثلا بالسعودية أو الأمرأة الخليجية اللي ما عنديش برشا ملي خذيت حقها في السياقة، سياقة السيارة اللي هي حاجة المرأة التونسية تعمل فيها عندها سنوات. رغم ذلك زيدا اللي منجموش نغطيو العنف اللي تعرض له المرأة التونسية، نعطي زيدا مثال العنف، نسب العنف اللي طلعت في الحجر الصحي في مارس 2020، هذيك منجموش نغطيوها، رغم اللي المرأة التونسية تنجم تكون نائبة، تنجم تكون رئيسة، معلمة، محامية، إلا المرأة التونسية اليوم مازالت تتعرض للعنف. حقوق المرأة بصفة عامة أسامة نلاحظوهم بالطبيعة كيفما كان قلنا مريم في كل الميادين، ولكن هل تعتبر الحقوق هذه تنجم تزيد تتطور؟ نرى اللي هي تنجم تزيد تتطور، أي ومثلا كما قالت مريم حقوق المرأة العازبة في تونس، معناها الأم العازبة في تونس مازالت صعيبة الحكاية، أما لازمنا نصلحوها. واحنا صحيح خذينا مشوار كبير في التقدم بتاعنا، وصحيح احنا متقدمين بالنسبه للبلدان العربيه الاخرى، اما هذا ما يمنعش اللي احنا لازمنا نزيدوا نقدموا ولازمنا نزيدوا نصلحوا. وفما وضعيه خاصه فيما يخص المراه الريفيه، دائما نتحدث في الموضوع هذا، ولكن عمرنا ما رينا تطورات كبيره في المستوى هذا مريم. صحيح ديما يصيروا حوادث للمراه الريفيه، المراه العامله، المراه اللي تعمل في الفليحه، المراه اللي تقوم الخمسه نتاع الصباح باش تاخذ اقل من 10,000 في النهار، ورينا برشا حوادث للنساء الريفيات يهزوهم في كمين ويصيروا ديزاكسيدون، ما عندهمش حتى اسيورونس، ما عندهمش حتى ضمان اللي هي تنجم الدولة ولا المشغل نتاعها يعوض لها، على خاطر هي تخدم كما نقولوا احنا، سامحوني للتشبيه، اما يحطوهم في كاميونة من تالي كما الحيوانات، اللي هي مرأة اللي هي منبع الحياة وتقوم وتمشي يصير لها حوادث وما عندها حد يعوض لها وعندها صغار في الدار، اللي هي حاجة تأسف اليوم الرابع. واحنا هوني في منطقة بحر الأزرق فما العديد من النساء الريفية اللي ما زالت تخدم في الفلاحة، الحقوق نتاعهم بالطبيعة موجودة، ولكن نراهم يخدموا في عمل جبار جدا. بالطبيعة نراو الحقوق موجودة، أما ديما تقعد منقوصة، ديما تقعد اللي فما تصليح صغير لازم يتعمل، صغير ولا كبير بالطبيعة هذا بصيرة لطيف معناها، أما ديما فما حاجات لازمها تتعمل وديما فما إصلاحات، وكما قلت لك هذا مشوار كبير خديناه، أما ديما لازمنا نقعدوا نصلحوا ومازال فما تصليح. فعلا أسامة، مريم المرأة التونسية قارناها قبيلة بالمرأة في إسبانيا وبتقدم المرأة التونسية منذ عام 1956، هل تحس اليوم المستويات تقرب لبعضها بين زوج بلدان، أو تحس اللي المرأة التونسية عندها أطوار أكثر في الحرية بتاعها، أو المرأة الإسبانية دخلت في الدولاب الأوروبي؟ رغم اللي المرأة الإسبانية هي امرأة أوروبية، إلا أنه الطابع المتوسطي للمرأة الإسبانية والمرأة التونسية يقعد طاغي، ديما نلقاو الطابع الأبوي للمجتمع الإسباني أو التونسي، مازال الأب الأخ الشريك مازال عنده طابع سلطوي على المرأة.
وفي العائلات في تونس أسامة تلاحظ اللي الوالدين يعاونوا أكثر الطفل أو الطفلة؟ يعاونوا أكثر الطفل خاطر يقول لك الدنيا أسهل عليه واللي المخاطر أكبر على المرأة على ذلك دونك يقول لك نحميه الطفلة ونسيبه الطفل دونك التربية ما هيش كيف كيف واللي هذه حاجة غلطة ولازمنا نربيه للجنسين كيف كيف معناها كما ذكر كما لك. إذن أسامة يمس إشكالية كبيرة هي التربية، التربية ما هيش نفس النسق. برشا عائلات في تونس اللي ما زالوا يربيوا في البنات نتاعهم زالوا يربيوا فيهم بكلمتين اللي هما قاعدين يحكموا على بناتهم زاد بكلمتين العيب والحرام بزادت المرأة التونسية او الطفلة الصغيرة التونسية زلنا نقول لها اقعد بكدي هبط روبتك ما تمشيش ما تجيش رد بالك ما تمشيش في الظلام ونقول للطفل راجل ما يعيبه حتى شيء اللي هي كلمة خليت برشا رجال يتماديوا في العنف ضد المرأة يتماديوا في التحكم بالمرأة أخت أم جدة ديما المرأة التونسية ما زالت نحسوها تعيش في الظل مقارنة بالرجل رغم التقدمات نتاعها رغم اللي اليوم عندنا نساء اللي يقراو البنات اللي يقراو في يعني طالبات الجامعات هما أكثر من الرجال في تونس. نرجع لك أسامة نلاحظوا حاجة في تونس هو اللي العائلات يقولوا دائما ثم ربط البيت وربط البيت هي الأم فالأم هل هي قاعدة تواصل في كل الصورة القديمة وألا الأم اليوم أصبحت حديثة أكثر وتقف أكثر مع بنتها ومع ولدها في نفس الوقت؟ سي غولاتيف أنت والعائلة أنت والانفيرونمون اللي تربيوا فيه أنت والجنراسيون كما نقولوا احنا كيفاه متفتحين ولا لا أما الأغلبية متاع تونس كما نشوفوا في الأرياف ونشوفوا حتى في العائلات كما توا كما في البلايص الكل نراو اللي الأم هي ربة البيت اللي هي تعمل كل شيء في الدار وهذه حاجة غلطة واللي معناها حتى في الخدمة متاع الدار لازم الناس الكل لازم تتقاسم الأدوار معناها وهذه حاجة معناها بالطبيعة لازمها تصير اللي هي ماهيش قاعدة تصير. وفعلا الأم هي ربة القيم بما أنه هي اللي تخلق التواصل ما بين القيم مش هكا؟ المرأة عندها المرأة التونسية أو المرأة عامة عندها دور اللي هي تعدي أو تخلي الطفل متاحة يا إما يكون متعصب ضد المرأة أو يكون داعم للمرأة معناها الأم كي تقول لبنتها برا قوم لم بيدخوك وما تقولش للأخ تقول له عاون أختك في نظام الدار في الكوجينة في حطان الطاولة في الهزي هذيك هي الدعم فيها إحساسها بالنقص إحساسها اللي هي عندها واجب إنها تقوم بالأعمال المنزلية مقارنة بالأخ اللي هو واجبه اللي هو يرتاح في الدار معناها ثم نسق بتاع القوانين وثم نسق بتاع الحياة اليومية إذا نفهمك منيح صحيح أنت بالرأي هذا؟ أنا معاها في الرأي كما قالت مريم كلمة مدولة ياسر اللي هي الراجل بشي يطيش في رأس المرأة ودونك المرأة هي اللي بش تنظف من بعد أما كما نقولوا احنا في الدار في العائلة وكما زالت ما تخرج المرأة في دارها وفي دار راجلها لازمها هي تنظف بش تتعلم الطيب بش تتعلم تنظف راجلها هذوما الحاجات غالطين ولازمهم يتصلحوا فعلا بالرأي هذا أيضا؟ نقولوها بالإنجليزية وهذوكم life skills معناها أدوات حياتية معناها حاجات أي إنسان بغض النظر هو راجل أو امرأة لازم يتعلمهم لازم الإنسان يتعلم ينظف وين هو لازم يتعلم يطيب روحه بغض النظر هو امرأة أو رجل أم أو أب تعرفوا شيء وهذه أمور فعلية اللي في السنوات 70-80 كان عيد 8 مارس ممنوع الاحتفال به في تونس هل تعرف شيء غير؟ فثم خطوات كبيرة صارت وثم حركة نسائية كاملة اللي قاعدة وراء هالأمور هذه الكل فتحسوش اللي قانون 56 فيما يخص مجال الأحوال الشخصية هو المندفع الوحيد لحالة المرأة اليوم أو تحسوا اللي المرأة صبحت مناضلة هي نفسها وصبحت هي بدها تقدم إلى الأمام ما نجموش ننكروا أهمية مجلة الأحوال الشخصية وأهمية مجلة كذلك مجلة الطفل اللي دعموا اللي كانوا يدعموا وراء المرأة لأنه المرأة كي يكون وراها القانون تكون عندها كما نقولوا احنا باز تركز عليها هي من الأول
لكن المرأة زادة التونسية هي امرأة مناضلة. الامرأة التونسية تمشي تخدم في الصباح، تقوم بكري تخدم في الصباح، تمشي في الترانسبور بوبليك، تروح تروح بولادها، تهز ولادها بعد للطبيب او انها طيب العشاء، وتقوم غدوة تحضر لي باني وتهزهم يقرا وتمشي تخدم. ما نجموش ننكروا اللي المرأة التونسية زادة هي مناضلة، امرأة تحب تكافح، تحب تحسن من وضعية عائلتها، تحب تروح بكا الشهرية هذيك لدارها باش تزيد في دارها باش تزيد لولادها باش تخرجهم باش تفرهدهم باش تحسن من وضعيتهم. نعرفوا اللي المرأة تدافع على عائلتها فعلا، ولكن في نفس الوقت ولينا نشوفوا النساء موجودة أكثر في الميدان السياسي، ولينا نراو نساء وزراء، نساء اللي في البرلمان، والشيء هذا الكل جديد نوعا ما في المجتمع نتاعنا. صحيح جديد، صحيح جديد. وأما كما قلت لك هذا مازال ناقص، ومازال نشوفه في البرلمان اللي هو أغلبيته رجال، واللي صوت المرأة مازال ما هوش واصل في البرلمان، واللي هذه حاجة غلطة. أنا نحب اللي المرأة والراجل يكونوا 50-50% في البرلمان باش نسمعوا رأي الراجل ورأي المرأة في كل شيء. وبالنسبة للوزارات رينا برشا نساء واللي نجحوا في الوزارات نتاعهم. أي للأسف أحيانا نلقاو اللي المرأة تتصور أو يقوم تسويق صورتها اللي هي كائن منفعل، اللي هي كائن تقود المشاعر متاعو، لكن المرأة في الخدمة، المرأة في الميدان العملي هي كائن عقلاني، عنده دي استراتيجي، عنده خدمة، عنده دي بلان يتبعهم ويمشي بهم. صحيح اللي المرأة هي كائن عنده تواصل أكثر من الرجل، لا ليس ذنب الرجل، على خاطر الرجل يقول له ما تبكيش، وهو طفل نقص صغير يقول له ما تبكيش. المرأة عندها قدرة أكثر أنها تعبر على مشاعرها، لكن المشاعر هذوك ما همش how do I say it to undermine the power of women، ما هيش حاجة تنقص من قوة المرأة أو ذكائها. يعطيك الصحة. نقعد معك مريم، وحابين نسألك شنية طموحات المرأة التونسية في تصورك اليوم، خاصة كتبع عمرها 20 سنة في أوج العنفوين. هذا واحد، ولكن طموح بصفة عامة، هل المرأة اليوم لقات نسق جديد في حياتها المهنية مثلا؟ كامرأة عشرينية نجم نحكي عليها الحاجة هذه. المرأة في العشرين مازالت كي خرجت، مازالت كي بدات تحب ترى الدنيا، مازالت كي بدات تحب ترى الحياة شنو تخبي لها، مازالت تحب تكتشف الميدان العملي، مازالت تقرا، مازالت تحب تسافر، مازالت تحب ترى الدنيا مش كيما صوروه لها العائله نتاعها، تحب ترى الدنيا بعينيها هي كيما تراها هي، تحب تكتشف الحياة بالطابع اللي هي تراه. وبالنسبه لك انت كيفاش تتصور المرأة التونسية وطموحاتها في السن العشرين؟ نتصور طموحات ياسر شاسعة، وحتى حد ما ينجم يوقفها في طموحاتها وفي أحلامها، وهذا لازمنا حاجات لازمهم يتصلحوا تبدأ من العائلة، خاطر يقول لك ما تحل ليش عينها. أما هذه حاجة خايبة ياسر، اللي هي باش تخرج إلى الميدان إلى المجتمع وباش ترى برشا حاجات ما تعرفهمش، ودونك باش ترى حاجات ما تعرفهمش وباش تخاف من الدنيا. اما هي حاجه غلطه، لازمك تحللها عينها، لازمك توريها المجتمع كيفاش يمشي، لازمك تفهمها الدنيا باش كي تخرج تلقى روحها في المجتمع وتلقى ركيزه، معناها اللي عائلتها بنيتها فما عرس مبني عليها. نرجعوا ل 8 مارس. مريم، بالنسبه ل 8 مارس السنه شنو هو تمنياتك مثلا؟ تمنيتي انه في 8 مارس الجاي ما نلقاوش نسب العنف ضد المراه كما رينيهم السنة. للاسف في الحجر الصحي في 2020 مارس 2020 الحجر الصحي هذاك ورانا او عرى على قديش المراه التونسيه قديش اللي هي عرضه للعنف، قديش اللي العائله التونسيه تتلز فيها المراه انها تسكت، انها ما تقولش، ما تمشيش تشكي، ما تمشيش تقول راه ضربوني وراه صارلي وراه جرالي، باش تحافظ على العائله نتاعها. نتمنى في 2021 مارس 2021 اللي هو مارس الجاي ما نلقاوش النساء بالنسبه هذيا المخيفه. بالنسبه لك انت اسامه، شنو هي تمنياتك بالنسبه للمراه التونسيه يوم 8 مارس؟ كيف نتمنى اللي المرأة التونسية توصل أعلى المراتب في البلاد، الأحسن المناصب، وكيف ما تتعرضش
للبريسيون من العائلة كي تحب تشكي كي تحب تعمل كما قالت مريم ليه ما هو إلا راجلك ليه شد عائلتك حافظ عليها اللي هي حاجة غلطة. المرأة التونسية لازمها تكون كي ما هيش مرتاحة في بلاسها لازمها تخرج منها لازمها تكون مرتاحة ما يلزمش تكون فما قشرة غليظة مسكرين عليها اللي هي العائلة والدار اللي هي حاجة غلطة ياسر ولازمها تتحرر من القيود الكل. أو حتى زيدا كان نجم نزيد أسامة حتى المرأة اللي غير متزوجة تعرض زيدا للعنف في الشارع بغض النظر هي شنية لابسة بغض النظر على المستوى الثقافي نتاعها بغض النظر على البلاصة اللي هي قاعدة تمشي فيها. مازالت المرأة التونسية لتوا تخاف تمشي في الشارع وحدها مازالت تتعرض للتحرش اللفظي أو ساعات يكون جسدي في وسائل النقل في الشارع في العمل وما تقولش ما تنجمش تتوا المرأة التونسية تمشي تقول راهو قال لي منك رحبته وسمعت الكلمة هذيك ويتحاسب حتى في مركز الشرطة ماهيش باش تلقى التجاوب والاحترام اللي يلزم للأسف. كيفاش إذن الحقوق هذه نتاع المرأة نجموا ندعموهم كيفاش نجموا نقويهم في تصورك؟ احنا توا عندنا قوانين نجموا نزيدوا نفعلوا القوانين هذيك احنا توا ينقصنا التفعيل لازم الردع ولازم العبد اللي يتجرأ انه يقوم بالعنف ضد المرأة لازم يفهم اللي فما قوانين تردو. وبالنسبة لك انت تتصور ان المرأة ما زالت تتلجم عندها خطوات الى الامام بالنسبة للحقوق؟ بيان سور اللي فما برشا خطوات لازمهم يسيروا باش المرأة تاخذ حقوقها الكلية كما قلنا كما قالت مريم المرأة التوا ما تنجمش تمشي في الشارع وحدها ما تنجمش تمشي في الشارع في الليل الا معاها راجل باش يحماها واللي هي حاجة غلطة وهذه ما تتصلح كان من العائلة من جينيراسيون جديدة خاطر من التربية تبدا من التربية من الاول من الدار تربي ولدك اللي هي اللي انت والمرأة كيف ما فما حتى فرق بيناتكم. يعطيك الصحة. إذا باش نكمل الحديث نتاعنا توا نحب نشكر مريم يعيشك نحب نشكر أسامة يعيشك باش نواصلوا التسجيل نتاعنا وباش نخليوا المكان لضيوف ناتاليا اللي باش يدخلوا توا ناتاليا رومان وضيوفها وإحنا نخرج من الشيء هذه. Merci d'être parmi nous dans ce débat organisé par l'Institut de Cervantes en Tunisie et les centres Berlec à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes qui aura lieu le 8 mars. Avec moi, j'ai deux jeunes que personnellement j'admire énormément et ce n'est pas juste pour les flatter. À ma gauche, j'ai Nour Jihan Gattes, étudiante en droit, 20 ans. Elle fait partie de pas mal d'associations, mais surtout Wallah Weekend pour la défense des droits des enfants. Il y a une chose qui m'a surtout interpellée de ton CV, qui est pas mal à ton âge, c'est que tu as lancé avec un groupe d'amis la campagne Rougel, qui était censée sensibiliser sur l'harcèlement sexuel dans la rue. Donc si tu peux nous expliquer en quelques mots, parce que ça a vraiment cartonné en 2019. D'accord, alors c'était une campagne de sensibilisation, à la base c'était un canular. Comme quoi un jeune qui a fondé une start-up qui s'appelle Ruige, donc c'est le diminutif de l'âge, homme en arabe, et en fait une start-up qui vise justement à procurer des hommes qui vont accompagner les femmes dans la rue pour pas qu'elles se fassent harceler. Et donc ça a connu un grand écho parce que les gens ont pris ça très au sérieux. Et en fait c'était pour transmettre totalement le message inverse, il faut pas justement qu'on arrive à ce stade d'avoir besoin d'un homme pour marcher tranquillement dans la rue. Donc voilà, c'était la petite campagne de lui. Parfait, ça a très bien marché. À ma droite, j'ai Amine Znoussi, étudiant en sciences politiques. Il a que 22 ans, mais il a déjà publié deux ouvrages, La politique décidée, La génération des crises, son dernier livre. On a entendu parler de la génération baby boom, la génération milléniale, mais jusqu'à là, on ne connaissait pas la génération des crises. De quoi il s'agit? Bah, je dis que notre génération, là, l'actuelle, celle qui va devenir la prochaine dirigeante activiste
la génération qui va diriger le pays va être confrontée aux pires crises qu'on ait peut-être connues de l'histoire de l'humanité. On ne parle pas de la guerre mondiale, on ne parle pas de choses de ce niveau-là, mais on parle d'épuisement des ressources. Et une fois qu'on épuise des ressources, on n'a aucune idée de comment diriger un pays, vu que c'est fondé sur des ressources qui sont en train de s'achever. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, nous allons commencer le débat en suivant un peu l'ordre chronologique de l'histoire tunisienne, d'accord ? D'abord, en 1956, la Tunisie retrouve son indépendance. 3 mois plus tard, elle approuve les codes de statut personnel, un texte pionnier des années-lumière de la plupart des pays, notamment l'Espagne. Il interdit la polygamie, il interdit la répudiation, il fixe l'âge minimum pour les mariages. Comment est-ce qu'il a bousculé les codes de la société de l'époque et pourquoi en ce moment on l'a remis en question et on dit bon, c'est un texte obsolète. Tu veux commencer Avec grand plaisir. Alors, c'est vrai que le premier texte, on va dire juridique, qui a été promulgué après l'indépendance, c'était le code du statut personnel. Donc, le Bourguiba tenait vraiment à justement entamer ces démarches-là via un décret légal. Ça veut dire qu'on n'est pas passé par un parlement et qu'on l'a approuvé et qu'on l'a imposé d'une manière unilatérale au peuple qui n'était pas vraiment prêt pour digérer de telles dispositifs qui ont bousculé les codes de la société. C'est-à-dire que vous avez pris l'exemple de l'Espagne tout à l'heure. Voilà, nous, on a tout mis d'un coup et il y avait vraiment un gros souci d'adaptation car les mœurs s'y prêtaient pas. On a interdit la polygamie alors que le jour même, il y avait plein de mariages. On avait 3 épouses qui assistaient à ce mariage-là. Donc, il y a eu un gros souci pour s'acclimater et il y a eu limite un rejet au début. Ça veut dire, par exemple, en ce qui concerne la polygamie, on a repoussé les délais de 5 ou à 6 fois. Voilà, on n'avait pas pris l'habitude d'aller inscrire son nouveau-né à l'agence civile. C'est un code qui est révolutionnaire en ce qui concerne le fond. Mais est-ce qu'on l'a appliqué d'une manière judicieuse? Je ne sais pas. Enfin, vu le contexte de l'époque, c'est difficile d'en juger actuellement avec les critères qu'on a aujourd'hui. Mais il faut dire que jusqu'à maintenant, on connaît encore des répercussions très graves. Et je ne sais pas si continuer de cette manière-là, de faire des réformes de cette manière-là aujourd'hui, si ça va nous mener à un résultat différent de ce qu'on a connu il y a quelques décennies. Oui, en fait. Ce qui est intéressant dans ce que l'on dit, c'est ce double problème qu'on a en Tunisie. Le premier problème, c'est qu'il y a une différence entre une judiciarisation du système, où on te dit maintenant la polygamie c'est interdit, même si on sait que ça c'est encore pratiqué, et la réalité. La réalité, c'est qu'on vient et on impose aux gens une loi sans l'avoir expliqué, sans lui avoir expliqué que c'est pour eux, c'est pour les aider, c'est dans leur intérêt. On leur dit en réalité, voilà, c'est comme ça, et toutes vos anciennes pratiques, c'était faux, et je vous impose la morale. La morale, ça ne s'impose pas, ça s'apprend. Et c'est ce problème-là qu'on a, c'est-à-dire qu'on judiciarise le débat, on crée une moralité de la loi sans venir et leur expliquer, les éduquer à une égalité réelle. Donc c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des remises en question maintenant avec une majorité de conservateurs. C'est toute cette idée des dictatures éclairées. Les dictatures éclairées, ça crée du progrès pendant une période et ensuite ça disparaît. On peut utiliser un élément de comparaison, c'est le mariage pour tous en France. Le mariage pour tous en France, ça dure 20 ans de débat sur l'homophobie, sur l'homoparentalité, c'est 10 ans d'acclimatation au mariage pour tous. Et ensuite, quand ça vient, ça passe à 55-56%. Mais maintenant, même la droite ne le remet plus en question. Même l'extrême droite, une partie de l'extrême droite le remet toujours en question, mais l'extrême droite classique ne le remet plus en question. C'est parce qu'il y a eu 20 ans d'habitude. 20 ans d'entrée en matière. Le vrai problème en Tunisie, c'est qu'on a cette idée qu'une fois que c'est décidé, bah, tout le monde devrait y croire. Il y a une différence entre la décision et la croyance des gens. On peut appliquer une loi sans y croire. Le problème, c'est quand un politique viendra et lui dit « Mais en fait, cette loi-là, elle sert à rien », il va être plus tenté de dire « On l'enlève ». Et c'est pour ça que nos lois sont très fragiles en termes de protection des femmes.
Mais en fait, Emmy résume très bien. Ça veut dire qu'on dit, on a des lois, il faut des lois, on a des lois, il faut des lois. Et qu'on oublie tout le contexte qu'il y a déjà d'éducation dès le plus jeune âge, que ce soit au sein du milieu scolaire, au sein du milieu familial. Ça veut dire que, par exemple, on a dit, ok, la femme, elle a le droit de divorcer, mais une fille qui a été éduquée toute sa vie à servir son mari, à se taire, à accepter la soumission, et qui n'a pas pu aller à l'école et qui n'a aucun revenu, ok, la loi lui accorde le droit de divorcer. Mais elle ne va pas divorcer, sinon elle ne pourra plus voir ses enfants, elle n'aura pas de quoi vivre, la société entière va la rejeter. Ça veut dire qu'on omet tout le contexte qui est à côté. Donc c'est comme une manière de se dédouaner et de dire ok, on vous a donné des dispositifs légaux, maintenant si vous ne divorcez pas et que vous restez soumettez à votre mari, c'est entièrement de votre faute. C'est aussi un critère politique, c'est-à-dire que c'est ce que Bourguiba a utilisé, mais aussi plein d'autres dictateurs de l'époque, pour se décrire comme des dictateurs éclairés. C'est ce qui crée leur légitimité après de dire « c'est nous le progrès ». Et c'est ce qui crée maintenant, dans le débat actuel, une croyance collective selon laquelle, à l'époque, c'était, y avait une ouverture d'esprit, il y avait quelque chose. Oui, il y avait, mais elle était très sectorielle, et elle est très, très discriminée géographiquement, et elle n'a pas été généralisée dans la pensée. C'est ce qui fait que maintenant, 100 ans, et même 100 ans plus tard, si on ne change pas la pratique politique, les lois essentielles de l'égalité vont être remises en question. Justement, en parlant des dictatures, elles se traduisent toutes dans une marche arrière des droits des femmes, des droits des minorités. Mais en Tunisie, on a un concept un peu particulier qui était le féminisme d'État, qui prenait l'émancipation des femmes comme une de ses priorités. Et en quoi cela consistait ? Cela consistait en fait que Leïla Ben Ali allait à l'ONU des fois et disait « je suis féministe ». Globalement, c'est ça. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. C'est un peu un féminisme bourgeois, je l'appelle, qui est l'idée d'une représentation féminine, mais sans révolution judiciaire, sans révolution éducative, sans investissement dans des projets d'égalité homme-femme dans les lieux prioritaires, il y a pas ça. Mais par contre, on va aller brandir l'idée que la Tunisie, avec le code du statut personnel, avec la représentation de Leïla Ben Ali, c'est pas juste une caricature, c'est vrai, hein, elle allait souvent à l'ONU pour défendre le droit des femmes, mais elle expliquait pas comment elle le faisait. Et c'est cette idée-là qui s'est développée, c'est une sorte de bourgeoisie féministe qu'on ne comprend pas, parce qu'elle n'est pas audible. Tant que tu n'es pas audible à l'entièreté des Tunisiens, tu ne vas pas avoir d'influence sur eux. Mais nous, avec l'arrivée de en 2011, la Tunisie démarre la transition démocratique, les féminismes sortent de ces circuits officiels et les nombres des associations féministes se multiplient. Est-ce qu'on peut dire que la révolution tunisienne est une révolution féministe ? Je vais me mettre beaucoup de monde à dos, je pense. On est là pour ça. Alors, je ne sais pas si justement le féminisme est sorti de ces cadres-là, comme Emile l'a évoqué tout à l'heure. On reste quand même dans des cadres assez conventionnels, dans des stades d'hôtels, dans la capitale. Ça veut dire que je sais très récemment qu'il y a eu un colloque dans un hôtel à 4 ou 5 étoiles sur les femmes dans les milieux ruraux. C'est ironique, oui, je sais. Donc, c'est-à-dire qu'on est encore resté assez conventionnel. Alors, la révolution de 14 janvier, est-ce que ceci a un lien avec le féminisme et les féministes ? Je ne pense pas. Mais on a vu qu'il y avait une soif de liberté, et après tout, la liberté passe aussi par acquérir ses droits fondamentaux, ses droits individuels, qu'on a essayé plus ou moins de conquérir à travers les mêmes mécanismes, justement, qu'après l'indépendance, en pensant encore à des décrets, à des projets de loi. Mais je ne dirais pas que c'est une révolution féministe, en tout cas pas pour le moment, puisqu'on est encore en transition. Est-ce qu'on est sur la bonne route ? Alors, si on fait un peu de théorie, on va peut-être perdre quelques gens. En vrai, le féminisme, c'est une lutte pour la liberté et l'égalité. En théorie, d'où vient la misogynie ? La misogynie vient d'une conception de l'être humain inférieur à cause d'une différence.
Donc en réalité, l'inscription du féminisme dans une lutte économique, comme la révolution, c'est-à-dire une lutte pour l'égalité économique, une lutte pour une réduction des inégalités économiques, c'est aussi une réduction des inégalités sociétales. Les inégalités sociétales, c'est quoi? C'est la lutte pour l'émancipation des femmes, pour les minorités, pour les minorités ethniques, religieuses, d'orientation sexuelle. Et si on inscrit ces luttes-là dans une lutte pour l'égalité économique, naturellement, vu que en ayant plus de droits économiques, on accède à plus de capital culturel et à plus de culture, on développe une pensée beaucoup plus égalitaire. Donc en fait, le meilleur moyen, si on veut, d'améliorer l'état des inégalités sociétales, c'est de se soucier des inégalités sociales. Un peu. C'est bien. En 2017, le Parlement tunisien adopte la loi intégrale contre les violences faites aux femmes. Encore loi. Ces textes reconnaissent, pour les gens qui ne connaissent pas, tous les types de violences, soit physiques, morales, économiques, politiques. En fait, ce qui est bien avec la loi de 2007, il faut aussi reconnaître quand il y a un truc qui est bien, c'est qu'on a élargi le cercle de violences qui sont faites à l'égard des femmes. On s'attarde sur les violences physiques, morales, sexuelles, puisqu'elles ont une spécificité particulière comparée aux violences physiques, économiques et même politiques. Ça veut dire que et c'est une loi organique, ce qui prouve que quand même on accorde relativement assez d'importance. Donc on élargit le champ d'application pour protéger les femmes au maximum. Notamment, enfin, c'est bien aussi de s'attarder également sur les violences économiques et politiques qui sont faites aux femmes, puisque quand on parle des femmes, généralement on s'attarde sur les violences sexuelles, ouais, ce qui représente une très grande partie et une arme aussi contre les femmes, mais pas que. Il y a la violence économique qui est très importante, qui lie les femmes à leur bourreau, qui les empêche de respirer, de s'exprimer librement. Après, il y a des revers de la médaille, encore une fois, concernant la loi 2007 qu'on a un peu mis de côté. Par exemple, avant la loi de 2017, quand une femme portait plainte contre son mari, s'il la battait, ben en fait, elle pouvait retirer la plainte à tout moment. Donc, c'était un moyen de pression pour que son mari arrête de la battre. Après la loi de 2017, si une femme porte plainte contre son mari, elle ne peut plus retirer sa plainte car ça tombe dans le domaine public, on va dire. Voilà. Et les avancées, c'est aussi. Mais en fait, il y a un problème parce que ces femmes-là, elles n'ont pas les moyens de divorcer et elles ne peuvent pas divorcer. Donc, du coup, elles se retrouvent coincées, elles ne peuvent plus porter plainte contre leur mari qui les bat et elles ne peuvent pas divorcer et elles n'ont aucun moyen de pression. Ça veut dire que, ok, c'est bien de leur permettre de porter plainte. Mais si derrière on ne réfléchit pas à des alternatives, ok, si la femme elle porte plainte et qu'au final son mari est emprisonné, comment elle va subvenir à ses besoins, à celui de ses enfants? Ça veut dire que c'est une arme à double tranchant et qu'il faut remettre dans son contexte. Et ça a apporté beaucoup de bonnes choses, mais ça pose aussi d'autres obstacles qui n'étaient pas là avant. Un des avancées aussi, c'était qu'il reconnaît par la première fois l'harcèlement de rue, l'harcèlement dans l'espace public. Oui, aussi, oui, on a reconnu l'harcèlement dans l'espace public. On a donné quelques petits exemples de violence économique. On a également dit qu'un point positif, que justement la discrimination positive, parce que certains peuvent s'en servir comme argument et dire que la discrimination positive, c'est une forme de discrimination à l'égard des femmes. Donc on a bien précisé que la discrimination positive n'est pas reconnue comme étant une forme de discrimination et qu'on a essayé de donner plus ou moins des outils. On a également, dans un des titres, on a également dit que l'État a l'obligation de sensibiliser, qu'elle a l'obligation de mettre en œuvre justement tous ces dispositifs à travers l'éducation, l'enseignement, la formation, l'emploi. Voilà, bon après, c'est bien beau, mais on n'a pas vu encore beaucoup l'application. Mmh. On attend encore les décrets qui détaillent comment on va mettre en place tout ça. Et surtout, c'est-à-dire que par exemple, on a fourni une cellule féminine dans les commissariats, les postes de police. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain si une fille se fait harceler
et qu'elle sera en poste de police, il est très fort probable, comme dans beaucoup d'administrations, quand on dit que l'agent ne soit pas là et que la cellule féminine ne soit pas là. Et que, qu'il n'y ait pas d'agent femme pour l'écouter et l'entourer, et que, qu'elle soit mise de côté, on va dire bon, tu attends un peu, et après on va dire oui, mais quand même, ton décolleté il est un peu trop voyant. Voilà, on essaie quand même aussi de la dissuader, on va lui dire bon, on appelle ton père aussi, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là. Et que le poste de police, le monsieur qui t'accueille, il se sente insulté. Oui. C'est déjà arrivé dans le sud, on vient, on demande une salut féminine, et l'agent poste de police lui dit regardez, c'est exactement ça ce que tu dis, c'est la différence entre un texte même bien, même riche, même génial, même ouvert, si on n'arrive pas à l'appliquer, il devient caduc, il sert à rien. Il sert à rien. C'est un texte qui est là pour nous rassurer, nous, en fait. Non, mais pour nous rassurer, nous, et pour faire et pour le classement de fin d'année, pour dire qu'on est meilleur que l'Arabie Saoudite. C'est ça. À la fin, on partage l'article, à la fin d'année, oui, on a encore des champions du monde arabe. Voilà, mais il reste encore beaucoup de travail. Oui, justement, des critiques des organisations féministes, c'est qu'on a une loi géniale, comme tu dis, mais on manque des moyens. Il n'y a pas un budget officiel pour le consacrer à cette loi. Alors, on fait quoi avec ? Écoute, on est dans cette, on est dans cette géniale période de la Révolution où toute dépense de l'État, c'est méchant. Donc si on vous dépensait pour ces sujets-là, ils vont vous dire mais non, on n'a pas d'argent. Et en réalité, on ne se dit pas qu'une dépense peut nous rapporter un amoindrissement de certains coûts. On ne se dit pas que, par exemple, en dépensant sur ce genre de choses, on peut réduire l'effectif sécuritaire, on peut réduire beaucoup de procédures juridiques, on peut gagner d'argent sur plein de choses. Que plus de femmes peuvent aller au travail tranquillement. Absolument. Et qu'il y aura moins de c'est-à-dire qu'il y a des filles qui cessent d'aller à l'école à cause de absolument. Ça. Il y a des filles qui cessent d'aller à l'école à cause de ça, il y a des filles qui cessent d'aller parce qu'elles n'ont pas de protection hygiénique, parce qu'elles n'ont pas l'eau pour pouvoir se laver durant la journée. C'est-à-dire qu'on ne pense pas, en fait, on pense directement qu'il y a une rentabilité derrière, une rentabilité chiffrée, ils vont te dire ok, ça va nous rapporter combien, mais on peut pas, ça rapporte, voilà, c'est pas et, par tête. Et si tu leur dis, faites une étude sur ce que ça peut vous rapporter, ils vont dire ça coûte d'argent, ils vont dire non, on n'a pas d'argent pour l'étude. Voilà, en fait, en réalité, on est pris dans un cercle où on dit on veut du mieux, mais on veut pas investir dedans, on veut du mieux en votant pour des gens qui n'ont pas une grande idée sur ce qu'ils veulent faire, en ayant dans les administrations des gens au statu quo et en ayant dans l'opposition des libéraux. Donc, on a fait une loi, parce que tu veux plus. Oui, voilà, c'est ça. Et notre gage de rassurance, c'est se dire on a fait une loi. Le pays des lois. Ouais, le pays des lois, exact. Non, mais à chaque fois, on entend, même dans les radios, il faut des lois. Mais les lois, elles sont là. C'est-à-dire que ensuite, le nombre de prison pour une militante. Voilà, en parallèle, on met une femme 6 mois en prison parce qu'elle a exprimé librement son avis. Donc là, il y a un consalut d'ailleurs par la même occasion. L'État qui est censé te protéger contre toute violence physique, morale, politique, économique, lui-même, il est en infraction un peu ici. Hein. Ouais, Et juste pour finir ce débat, on pourrait rester pendant des heures, mais je voudrais lancer, oui ça passe très vite, dernière question. En 2018, on a eu la Commission des libertés individuelles et de l'égalité, connue sous le nom de la COLIB, présente son rapport, 235 pages, où elle donne des conseils, des recommandations pour adapter la nouvelle constitution de 2014 au droit international, et elle propose la dépénalisation de la homosexualité, justement, l'abolition de la peine de mort, mais ce qui fait le plus de bruit, c'est l'égalité dans l'héritage. Pourquoi ? Et pourquoi la société tunisienne n'a pas réussi à dépasser ces débats ? On va faire encore plus de bruit en parlant. Oui. On va oublier les autres points. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi on a beaucoup en parlé ? Je pense que les médias sont beaucoup, beaucoup focalisés sur ce point en particulier. Car, par exemple, la COLIB s'est attardée sur des lois qui ont, on va dire, deux principales sources. C'est les lois qui ont pour racine la religion qui est une source matérielle de l'État. Et les lois qui datent du code pénal qui a été promulgué en 1913 qui ont des racines qui reviennent au protectorat. Voilà, comme par exemple l'article 230 qui justement condamne à 3 ans de prison les homosexuels, c'est une loi qui a été instaurée par le protectorat français. Alors pourquoi on s'attardait sur justement l'égalité dans l'héritage ? Parce que je pense que ça touche les Tunisiens à travers cet aspect religieux-là.
c'était pour eux, c'était un peu comme si on enfreignait le Coran, qui est un peu la règle suprême. Ça touche énormément aux traditions, mais enfin, moi je pense que ça représente une petite partie, parce que ça touche tout simplement à l'argent. Encore une fois, on n'a pas... C'est exactement ce que tu as dit, hein. C'est ceux qui ont un héritage. C'est ceux qui ont un héritage et qui n'ont pas forcément envie de le partager avec leur sœur. Alors, quand tu as un frère, tu n'es pas content, mais quand tu as une épouse, tu veux bien qu'on applique l'égalité pour ton épouse. Donc, c'est une bataille économique avant tout. Et encore une fois, ça pénalise doublement les femmes. Donc, les femmes qui ont de très faibles revenus et les femmes qui perçoivent la moitié des membres masculins de leur famille et qui restent encore soumises à eux. Parce qu'on te dit, ok, on te donne la moitié, mais en même temps, le Coran me dit, je dois subvenir à tes besoins. Donc c'est vrai que tu as la moitié, mais je suis là pour assurer tes besoins. Donc le jour où tu voudras faire quelque chose qui n'est pas en accord avec les accords du monsieur qui te prend sous son aile, bah, il va te couper les vivres. Écoutez, merci beaucoup, Amine, c'était un vrai plaisir. Merci à l'Institut Cervantes, au Centre Barlec, pour s'engager dans le débat des droits des femmes. Et très bientôt, les débats continuent. Merci. Merci. Merci.